mardi tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 20 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Bon, vous allez rire avec moi, mais j'ai pigé aujourd'hui le déménagement. Il y a vraiment, chez certaines personnes, il y a vraiment des choses à comprendre parce que là, la séparation, la rupture, le déménagement, waouh. Bon, cette carte, le déménagement, ben, c'est signe d'une transformation, d'un renouvellement, d'un changement de lieu, peut-être d'un déplacement et d'une ouverture sur autre chose. Hein. Alors, cette carte est synonyme de transformation qui apporte un renouveau. Ce peut être un déplacement, un déménagement, un changement de lieu, d'espace. Elle indique que rien ne sert de résister au changement alors qu'ils doivent advenir. Vous avez besoin de sortir, de bouger, de grandir. Alors, si vous êtes encore une fois en couple, eh bien écoutez, avec toutes les cartes que j'ai pigées cette semaine, la concrétisation est de déménager, n'est-ce pas ? De fermer des portes, cette porte, de prendre vraiment le taureau par les cornes et de sortir peut-être de votre zone de confort, parce qu'évidemment, je pense que vous n'allez pas retrouver ce que vous aviez, mais ça sera de toute façon pour vous, prendre cette décision sera probablement pour vous quelque chose de salutaire. Il faudrait peut-être vous questionner. Remettez-vous en question. Comment fonctionnez-vous? Quelle direction vous aimeriez prendre? Les questions que je vous ai posées hier, que je vous ai dites, de vous poser qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, est-ce que vous êtes heureux dans votre relation actuelle, est-ce que votre vie est-elle étroite pour vous, faudrait peut-être renvoyer votre mode de fonctionnement et aller dans d'autres directions qui vous rendent heureuse. En tous les cas, c'est une période de restructuration qui s'annonce et qui viendra vous libérer des constructions matérielles qui vous emprisonnaient. Il est peut-être temps d'évoluer, de croître et de ne pas rester figé dans cet espace et dans le temps. On vous demande de prendre des décisions. Point de vue travail, c'est peut-être, vous allez peut-être être muté dans un autre service. Peut-être aussi que vous allez être muté dans une autre ville. Peut-être que vous allez déménager, pour certains d'entre vous, d'habitation, un déménagement, vous avez trouvé un autre logement et que vous allez, eh bien, dans les prochaines semaines, déménager, vous avez trouvé, ou si maintenant vous cherchiez quelque chose à acheter, eh bien, peut-être, voilà, il y a un déménagement qui se profile en tous les cas.
Et pour les couples, eh bien, bon, voilà, il y a un déménagement qui se fait, mais ça peut être aussi pour les couples où il y a aucun problème. Vous allez peut-être aussi déménager. Vous avez peut-être trouvé quelque chose qui vous convient plus. Ça vous convient mieux que dans cette maison ou cet appartement que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, il y a un déménagement, ça veut dire que vous avez trouvé quelque chose, eh bien, qui vous comblera et qui sera beaucoup mieux pour votre couple. Voilà, je termine avec la sagesse Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine. Ah non, ça c'était celle d'hier. Voilà. Ok. Aujourd'hui, je pense que je l'ai dit deux fois. Enfin, soit. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Eh bien, pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc voilà, encore une fois, voir ce que nous avons vécu, le positif, et ne pas ressasser le négatif. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.